rebes gitare mabazo te de 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 Zezeli yamamare bozo to do do li bagesa te li baya gavash kateli bo yamaz gute bali mando brosku pateli menda sopadi yamanda li baya maso te li mabara karadi yamande li brosu te li bagas kateli li yamaga Zezeli yamande li brosu te li bagas My Father, open the heavens now. My Father, open the heavens now. Release your grace and release your glory for tonight. And I will sing according to the utterance of your word, Holy Master. Merci, Saint-Esprit. Gabriel, donne-moi les témoignages de ce soir. Donne-moi des témoignages de ce soir. Que je ne parle pas selon moi, mais que je parle selon l'esprit. D'abord, brise la fontaine au-dedans de moi afin que j'apporte la pensée de l'éternité dans la vie de mon bien-aimé, de ma bien-aimée qui est venue ce soir. Amène-nous là où aucun homme ne peut nous amener. Le lieu où toi seul tu connais. Place-nous là-bas. Établis-nous. Dans cette année qui est notre année de la domination. Yahweh, place-nous là où tu nous vois et place-nous là où tu nous veux. Merci, Père éternel. Par les dieux qui nous transportent du royaume des ténèbres dans le royaume de ton Fils bien-aimé, qui est le royaume de la lumière. We bless you, God. We give you glory and we give you the praise and the worship for everything that you have done. Nous te célébrons et nous t'adorons et nous t'acclamons avec le cri de joie. Nous disons que tu es digne. Célébrons-le et acclamons-le avec le cri de joie. Est-ce que nous pouvons le célébrer et l'acclamer avec des cris de joie? Alléluia. Amen. Ah, je veux te dire encore merci ce soir pour la soif. La vivacité, la vigueur et la présence dans la présence de Dieu. Comme je l'ai dit l'autre fois, peut-être que tu es venu pour chercher les ânes, mais en cherchant les ânes, Dieu te rencontre et Dieu commence à ouvrir ta destinée. Où est le papa qui se met ici? Ah, vous avez changé de place aujourd'hui. Je sens beaucoup d'amour pour vous, je ne sais pas pourquoi. Amen. 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 Je vous aime beaucoup. Yeah. Il faut aussi m'aimer. Révérend Vicky, merci. Ça c'est ma maison, c'est pourquoi je parle comme ça. Donc, j'ai le droit de vous aimer parce que ça c'est ma maison. Amen. Et je dis merci à mon frère et au père de la maison, Révérend Vicky, pour cette invitation et pour cette marque de confiance. Hier, il m'a dit, mais apôtre, les gens ont soif. Les gens ont faim. Il faut parler. J'ai dit, wow. J'ai dit, vous, c'est fatigué à la maison, vous, il faut parler. Votre pasteur vous aime beaucoup. Amen! Vous savez, chaque fois que je suis avec lui, comme je disais à maman, Nénette, je dis, je vois une partie de moi en lui. Parce que je n'ai jamais été égoïste. Je suis très généreux. Quand je me mets sur la chair, je dois dispenser le blé. Je suis généreux. Amen. Je sais, il y a des choses que beaucoup de personnes n'aiment pas que les autres découvrent et que les autres apprennent. Mon objectif et ma vision ont toujours été que j'équipe le corps pour que j'aie le temps de passer plus de temps avec le Seigneur. Amen. Et parce que l'homme que je suis, je ne peux rien changer dans la vie d'un homme. L'homme ne donne que ce qu'il a reçu de la part de Dieu.
Vous voyez, Jésus a dit, je suis la porte. Mais la porte, ce n'est pas la destination finale. La porte, c'est elle qui te mène vers la destination finale. Amen. Jésus a dit, je suis la porte de brebis. Le but de Jésus, c'est de nous amener au Père. Et le pasteur que nous sommes, c'est de ne pas vous accaparer. Faire de vous notre propriété. Lorsque Dieu place un amour dans vos cœurs vis-à-vis de nous, c'est pour que vous soyez en mesure d'aimer et d'écouter et d'apprécier ce que nous vous donnons dans le but de voir celui qui a le dernier mot sur nous. C'est pourquoi j'aime que les gens voient Jésus, que vous le voyez lui. Amen, église. Amen. Merci encore. Matondo lisus. On va s'asseoir. Toko vanda. Je vais demander avec l'autorisation du révérend. Na kosenga na zela révérend. C'est lorsque j'ai senti dans mon esprit quand je t'ai en train de méditer. La vie s'amène à sosola qui na moli molanga inta on la zaki na katcha kotanga liloba. Je serai en train de parler. Akuzala na katcha koloba. Mais je demanderai si c'est possible, selon que nous sommes assis, qu'on me mette des enveloppes à des endroits comme ici, ici, ici ou ici, au moins ici, pour que tout le monde connecte à la grâce, même si là-bas c'est l'extension de du même hôtel. Oui. Placer une partie là-bas. Et puis une partie ici au milieu. C'est-à-dire, demain, lobby, quand nous viendrons, Tokoya, nous allons implorer Dieu pour le réalignement. Le réalignement. Le recalibrage de nos vies selon les écrits du Seigneur. Et par la même occasion, nous ferons des prières qui vont raviver des alliances entre nous et notre Père éternel. Et la provocation commença ce soir déjà. Donc quand je serai en train de parler, c'est long que tu entendras dans ton esprit. Selon ce que l'esprit pointera par rapport à ta situation. Tu viendras, tu prendras ton enveloppe. J'aurais bien voulu que chacun amène son enveloppe, mais j'ai senti qu'il faut qu'on prenne les enveloppes d'ici. Et nous bâtirons un hôtel parmi tant d'autres qui est l'hôtel de la rédemption. L'hôtel du rachat. Alléluia. Amen. Et l'Éternel se tiendra entre nous et nos problèmes. Yes, kati kati na biso na makambo zali ko tungisa biso. Entre nous et nos défis. Kati kati na biso na mindenge ozali boso na biso. Et si ta vie a été cabossée, nous allons faire confiance à celui qui nous connaît. Biso toko lika e pa moto ayebi biso. J'ai commencé à dire na bandaki koloba que nous devons rendre grâce à Dieu qui nous a délivrés. Qui nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume
de son fils bien-aimé. Qui est le royaume de la lumière. C'était ça mon introduction du premier jour. Et dans ce royaume de son fils bien-aimé, tout un chacun de nous a un héritage. Ce qui est à lui et qui porte son nom. Et selon les plans du Seigneur, c'est que tout un chacun de nous se retrouve entré dans ce qui est à lui. Et qu'il s'asseye et qu'il s'établisse là-bas. Et c'est la raison pour laquelle Yahweh a donné à son serviteur le thème de cette année. La délivrance totale. La Bible dit que tout ce que Dieu fait, il le fait pour toujours. Et que toute chose que Dieu fait, il le fait selon son temps. Dans les livres de Matthieu, le verset chapitre 13 d'abord, le verset 24 à 28, il y a une histoire par laquelle nous allons commencer notre voyage. Je vais vous en donner plusieurs, mais je vais garder l'alignement du message. Parce que chaque verset que je commencerai à donner, ce serait comme une brique que nous serons en train de placer sur une autre. Afin que tu aies suffisamment d'arguments de te tenir devant Dieu. Parce que Yahweh a dit, lorsque tu viens vers moi, amène avec toi des paroles. Amène des paroles. Et les paroles que nous devons amener à Dieu, ce sont des paroles que nous tirons dans sa parole. Matthieu 13, 24 nous dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Et pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema délivré parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allons l'arracher? Il dit, c'est l'ennemi, c'est un ennemi qui a fait cela. S'il te plaît, donne-moi ton attention. Amen, Église. Amen. Donne-moi, reste concentré sur la parole. Seigneur parle de la semence qu'il appelle la bonne semence. Amen, Église. Amen. Et l'implication de cette semence ou les attentes du Seigneur par rapport à cette bonne semence. Et de qu'est-ce qui s'est passé pour empêcher à cette bonne semence de manifester le potentiel selon lequel et pour lequel elle a été semée dans le champ. Si tu lis bien cette parabole, ou cette parabole, Jésus l'a donnée juste après qu'il lui parlait de comment la semence qu'on sème est capable de produire pour les uns 30, 60 et 100. À peine qu'il finit de parler de cette
capacité de lancement des produits 30, 60 et 100. Seigneur Jésus passe à la vitesse supérieure pour parler de cette parabole. Et si tu lis la parabole, tu vas te rendre compte d'une chose. La semence a été semée. Mais le problème dans le champ, le champ dans lequel la semence a été semée, le problème ne s'est pas révélé au jour de la semence. Mais le problème se révélait au jour où l'on attendait la maturation les jours où on s'attendait à moissonner. C'est les jours où on a constaté qu'il y avait un problème dans le champ. Amen, église. Amen. Mais au départ, nul n'a constaté. Tous ont gardé à l'image dans leur esprit qu'il y avait une bonne semence que le maître avait semée dans son champ. Et alors le maître dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Lorsque les hommes dormaient, chaque fois que le médecin veut placer un implant dans le corps d'un homme, placer un implant, c'est-à-dire un corps étranger qui ne faisait pas au départ partie de l'homme. Lorsque le médecin, deuxièmement, veut enlever de l'homme un organe ou quelque chose qui faisait partie du corps de l'homme, pour les deux cas, il faut que l'homme soit placé dans un état de sommeil. Lazare se réveillait parce que Jésus a dit, allons le réveiller parce que notre ami dort. Et Thomas a dit, bon, s'il dort, allons le réveiller. Jésus a dit, non, en fait, il est mort. Et lorsque Lazare est sorti de la tombe, Lazare s'est rendu compte qu'il était habillé des habits qui s'appelle les vêtements des tombeaux. C'était pas son goût. Quand le frère Lazare s'habillait, il mettait son costume trois pièces. Il mettait sa cravate. Il avait un type d'habillement. Mais ce jour, quand Lazare est sorti de la tombe, il a constaté qu'il avait sur lui quelque chose qui n'était pas dans sa garde-robe. Ce qu'il avait sur lui, c'était les produits du choix de ceux-là qui avaient constaté qu'il dormait. Alors ils l'ont habillé selon le goût de ceux-là qui dorment. S'il était vivant, il allait dire non. Je ne m'habille pas comme ça. Amen, église. Amen. Ce qui veut dire, lorsque nous étions morts dans nos péchés, on était ignorants. Spirituellement, nous dormions. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors et sois éclairé. Vous voyez? C'est-à-dire celui qui dort, il est dans les noirs, pour qu'il se réveille, il doit être éclairé. Est-ce que c'est que quand quelqu'un se réveille dans son esprit, il commence à regarder sa vie différemment.
Il commence à constater qu'il y a des choses qui ne sont pas censées être dans sa vie. Il y a des habits spirituels qu'on lui a fait porter qui ne sont plus censés rester sur lui. C'est là que le Seigneur a dit, déliez-le. Laissez-le partir. La tombe de Lazare, ce n'est pas comme nos tombes ici. C'est une pente. Et il était là. L'homme lié, pied et poing lié. Et la Bible dit, il a dit Lazare sort. La parole faite chair est restée dehors. Mais la parole esprit, celle qui était au commencement, est allée, entré dans la tombe. Elle est descendue. Elle a soulevé Lazare. Parce que les gars ne savaient pas monter les marches. C'est la puissance de la parole esprit. Et pire encore, il y avait sûrement plusieurs Lazare. Mais les gars se tient dans le cimetière. Il dit Lazare sort. Lobby Lazare Bima. Puisque cette parole n'était que pour Lazare, le Lazare. C'était comme une missile à tête chercheuse. Qui connaît la destination de la personne. Il vient, il trouve un Lazare et dit, mais c'est pas celui-ci. Viens, il trouve une Lazare, ce n'est pas celle-là. Jusqu'à ce qu'il a trouvé le vrai Lazare. Et c'est cette parole qu'il a soulevée. La parole du Seigneur ne se trompe jamais d'adresse. Ce soir, si tu es là et que cette parole est pour toi, avant la fin de ce culte, la parole esprit te transportera de ta situation et te présentera devant le Seigneur qui dira sois délié, soit libéré et qu'on te laisse partir dans ta destinée. Parce qu'aussi longtemps qu'il avait les vêtements de tombeau sur lui, les mains de Lazare ne pouvaient pas servir ni travailler. Les pieds de Lazare ne pouvaient pas marcher pour aller annoncer l'évangile et marcher sur les lieux très élevés. La tête de Lazare qui était couverte ne pouvait pas réfléchir correctement ni penser correctement parce qu'elle était bandée. Il fallait le laisser partir. Et cela est arrivé, comme je disais, c'est parce que Lazare dormait. Aujourd'hui, tout ce qu'on a placé dans ta vie comme un plan spirituel qui est en train d'attirer certaines choses, le malheur, les tragédies, les rejets, les incompréhensions. Chaque fois que tu arrives, c'est toujours en retard. Chaque fois que tu arrives, c'est toujours trop tard. Tu t'habilles, tu te parfumes dans le naturel, mais dans le spirituel, quand tu te présentes devant les gens, ils sentent que tu es habillé différemment et les portes ne veulent pas s'ouvrir. Maintenant que tu es réveillé et que la lumière a éclairé ta vie, tu demanderas au Seigneur d'enlever ce type d'habit. Il dit, l'ennemi a su le faire parce que les hommes dormaient. J'ai aimé, il a dit un ennemi. Ça veut dire c'est un certain ennemi. Or, il y a l'ennemi. Comme en église. Il y a l'ennemi. Et puis il y a un ennemi. C'est un ennemi que lui connaît, que lui a identifié, que peut-être toi tu n'as pas encore identifié. Dans le livre de Matthieu, Jésus vient et dit, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix.
Mais je suis venu apporter l'épée. Et l'épée que je suis venu apporter, elle se manifestera dans ce sens. Le fils se lèvera contre son père. La fille contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Et il continue en disant, car l'homme aura pour qui? Qui c'est? Est-ce qu'on avance? C'est-à-dire, l'ennemi connaît comment il peut facilement t'avoir. Et de fois, il peut utiliser un ennemi qui connaît ton champ et qui peut y apporter un autre type de semence. Et cette semence commence à travailler à l'encontre de ta vraie destinée. Parce qu'il est proche. Il connaît ta configuration. Il est de ta famille. Il est de ton sang. Il porte le même nom que toi. Il connaît de quoi est faite votre famille. Il a le droit de dire, Marcelo, c'est mon frère. Nous portons le même nom de famille. Nous portons le même sang. C'est mon frère. Comme moi, je suis membre de cette loge. Je donne mon cutis, mon autorisation, ma signature. Prenez-le. C'est sur base de sa relation, c'est de sa filiation, qu'il peut facilement ouvrir la porte pour que le bien-aimé Marcelo se retrouve victime d'un ennemi qui est de sa maison. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dans Genèse chapitre 1er, comme j'ai parlé hier, on est en train d'aller quelque part. Amen. Dans Genèse chapitre, ça veut dire que dans chaque verset que je vais commencer à donner sera en train de bâtir sur la première. Dans Genèse 1er, les versets 11, nous nous rendons compte que le Seigneur commence à parler. Que la terre produise de la verdure. Que la terre produise des arbres, des herbes. Et il ne se limite pas là. Il dit quand ils vont produire, quand elle va produire ces choses, c'est des arbres fruitiers que l'on trouve dans ces arbres. La semence. Quelqu'un dit l'arbre est la semence en elle, en lui. Pourquoi le Seigneur met la semence dans l'arbre? C'est pour que l'arbre soit en mesure de se pérenniser. Que l'espèce de cet arbre ne disparaisse pas. Suis-moi très bien. Amen. Je commence à parler sur le champ et la semence. Bonne semence semée et puis livrée. Mauvaise semence aussi a été semée. C'est lorsque le champ a grandi que l'on a vu. Quand est-ce que ça a semé? Ça a été semé? C'est quand les gens faisaient quoi? Amen. C'est quand les gens faisaient quoi? Hein, mon frère. Amen. C'est quand les gens faisaient quoi? Ça va, mon frère? Ça va? Okay. Garde le contact avec moi. Amen. Ça ne va plus arriver, tu vas voir. Amen. Amen. J'ai besoin de toi. Azana, tu es très chic. Ola tikitoko. Wow. Amen. Amen. Tu as vu? Omani. Cette semence a été semée parce que l'homme dormait. Regarde, il y a des choses qu'on ne réalise pas dans sa vie et qui ne se manifesteront pas dans ta vie jusqu'à ce que tu commences à grandir. Tu commences à aller, à évoluer vers la glorieuse destinée qui est devant toi. Que tu vas commencer à constater que quand j'étais une jeune fille, je ne connaissais pas ce type de combat. Mais maintenant que je suis entré
dans les fiançailles. Il y a certains combats qui commencent à se manifester. Et mais quand j'étais une petite fille, tout allait bien. Et bien encore, je me suis marié. C'est quand je me vois dans le mariage et je constate qu'il y a une manifestation d'un certain type de combat qui ne s'était pas encore révélé quand j'étais une jeune petite fille. Lorsque j'étais un jeune homme, tout allait bien, ça baignait, j'allais de l'avant. C'est quand j'ai commencé à grandir, à avoir des ambitions, que j'ai commencé à constater il y a une certaine opposition, certaines résistances qui commencent à se révéler. Parce que ces résistances ont constaté que tu es en train de t'approcher petit à petit vers la porte de ta gloire et de ta glorieuse destinée. Alors ça commence maintenant à se révéler. C'est ce que les autres appellent des fois dans notre terme comme étant la fondation défectueuse de la vie d'une personne. As-tu vu lorsque Daniel a vu la vision de la grande statue? As-tu vu lorsque Daniel a vu la vision de la grande statue? La tête est comme ça, le poitrine, tout ça. C'était une statue qui était majestueuse. Amen. Et l'on dit, et tout d'un coup, une pierre, sans le secours d'aucune main, a quitté le sommet de la montagne et a attaqué la statue. Le but de la pierre, c'était pour renverser la statue. Mais la statue avait une carrure imposante. Elle effrayait. Elle effrayait, elle intimidait, elle faisait peur. Quand les gens regardaient la statue, on voyait un géant. Mais la pierre qui est descendue de la montagne, c'est le secours d'une main. Elle a dit, si j'attaque la tête, je ne ferai pas de dégâts. Si j'attaque la poitrine, je ne ferai pas de dégâts. La pierre a ciblé un endroit qui est défectueux. Et cet endroit, c'est le pied. Le pied, c'est la fondation. L'enfant marche parce qu'il commence à apprendre à mettre sa voûte plantaire au sol. Amen. Qui connaît l'histoire du géant au colosse, le géant, le colosse au pied d'argile? Tu te mets l'histoire? Quand on dit le géant ou bien le colosse au pied d'argile, qui connaît ça, ce terme-là? C'est-à-dire, c'est un géant. Il est grand. Mais ses pieds sont d'argile. La statue ici, à ses pieds, il y avait le mélange. Il y avait l'argile et le fer. Est-ce que l'argile et le fer peuvent... Y a-t-il alliage? Il n'y a pas connexion. Pour que cette statue tombe, la pierre a ciblé la partie où il y a un mélange, la partie où il y a une faiblesse. En dépit de la hauteur, on a compris qu'en fait toute cette hauteur ne tenait qu'à rien. Des fois tu montes dans la vie et tu as négligé la structure sur laquelle tu es censé être bâti. L'ennemi va te laisser continuer comme ça. Il te laisse ce qu'il sait, que c'est le jour de la gloire qu'il saura se manifester. Et quand tu seras devenu majestueux, tout le monde t'acclame, tout le monde te célèbre, que l'ennemi verrouille la cible à tes pieds, à la fondation sur laquelle tu as été posé, qui est défectueuse, que tu ignorais, parce que cette fondation, on l'avait semée
On l'avait semé. On t'y avait établi. Au jour où tu dormais encore. C'est pourquoi lorsque tu te réveilles dans les choses de Dieu, il faut demander au Seigneur de te révéler les types de faiblesses d'aujourd'hui qui ne sont pas encore fortes, mais qui pourront devenir fortes demain. Dieu t'a donné la grâce de dealer avec ses faiblesses, de dealer avec ses combats et d'en finir aujourd'hui encore bas. Lorsque ton sens de gravité est encore trop bas, tu peux lutter contre les choses. Dès que tu seras élevé, tu vas commencer à tanguer. Facilement, tu vas tomber. Et ta destinée risquera d'être hypothétique. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? On est en train d'aller quelque part. Et c'est pourquoi j'ai dit, demain quand on viendra. Ici, la fin de mon message de ce soir, l'image sera un peu claire. Amen. Il y a un peu de la commande à 90 ou 95%. Amen. Et demain, on viendra maintenant pour colmater les brèches. Et on va sceller avec les prières. Amen. Amen, Église. Amen. C'est très important. Ils ont monté à ma casse. Ce qui veut dire. Ingi koloba. Dans Genèse 11, 1 là que j'ai dit, verset 11. Na mokane bandel mko poli boso. Dit que le Seigneur a commandé à la terre des produits des arbres. Et dans ces arbres, Dieu a planté, a placé aussi la sémence. Et Dieu a vu que cela était bon. Ce qui veut dire, et l'arbre, et la sémence dans l'arbre, aux yeux de Dieu, c'est comment? Quelqu'un dit c'est bon. Suis-moi, s'il te plaît. Parce qu'à un moment donné, il continue, il dit, quand l'arbre a été, il a eu, c'est bon. C'est après que Dieu a créé la verdure, les arbres avec leurs semences qui étaient en eux et qui étaient bons. Après cela, nous voyons directement. Amener la lumière. C'est-à-dire quoi? L'accroissement, la multiplication qui est dans la sémence, elle ne peut être comprise que lorsque la lumière arrive. Est-ce que tu as vu que les disciples ont dit, on a constaté un problème dans le champ? Il dit, le problème a commencé la nuit. Quand les gens dormaient. Quand ils ont constaté. Sûrement c'est quand il y avait déjà le jour. Le jour de la glorification. Maintenant, as-tu déjà remarqué que l'homme dans la Bible commençant par le juste, il est considéré comme un arbre. Dans les psaumes 1, on nous dit, est comme un arbre qui est planté. Où c'est? Auprès d'un courant d'eau. Et son feuillage ne fait quoi? Et qu'est-ce qui lui arrive puisqu'il est auprès d'un courant d'eau? Il porte de fruits quand ça? C'est qu'il y a une saison où Dieu dit, ma soeur, ma fille doit porter de fruits. Dans tel domaine, les mariages, le travail, les relations, tout ça, dans tous les domaines. La saison vient, elle doit porter de fruits. Parce que en elle, tu as mis la sémence. Et comme un arbre, et la sémence qui est en elle, et l'arbre qu'elle est, je l'ai regardé, et tu as dit, c'est bon. C'est que Dieu dit que c'est bon. Personne ne peut dire que c'est pas bon. Amen. On est ensemble. Amen. Voilà. Aujourd'hui, je suis en train d'aller graduellement. Et tu vas comprendre. Amen. On évolue. On dit encore. Qu'il portera des fruits en sa saison. Maintenant, nous voyons Jésus.
Dans Jean chapitre 15. Il dit, mon père est qui? Est le vigneron. Mon père est le vigneron. Ce sont des versets simples. Il dit, mon père est qui? Le vigneron. C'est-à-dire, il est le propriétaire de la vigne. Et Jésus est qui? Le cep, le tronc. Et nous, nous sommes qui? Les sarments, n'est-ce pas? Tous habitent tapé. Il dit, mais si les sarments, ceux qui habitent tapé en zété, qui est attaché à la vie, oui, et kangami na bomoi, au tronc, au cep, et kangami na kuka en zété, le père constate, tata akoso solete, que les sarments ne portent pas des fruits. Et et tapé en zété et zobo tambumate. Ou même quand elle porte de fruits. Mais que le père, quand il constate, il dit, ce sont des fruits, certes. Mais ce n'est pas dans le calibre, ni dans la quantité. De ce que moi je veux. Que cet arbre, que ce cèpe plutôt puisse produire, ou ces sarments. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Le père lui-même, sur demande du tronc, qui lui dit, il est attaché à moi. Il n'est pas en dehors de moi. Elle n'est pas en dehors de moi. Elle est attachée à moi. Elle vient à l'église. Elle écoute le révérend Vicky. Elle a été à part. Elle prie. Elle jeûne. Elle paye ses dîmes. Elle donne ses offrandes. Mais je constate, combien même elle est attachée à l'église, les fruits qu'elle porte sont maigres. La quantité est petite. Mais je veux qu'elle porte beaucoup plus de fruits. Qu'est-ce qu'il fait le père? Ni le père sort un instrument qu'on appelle l'épée, les couteaux, le sécateur. Pour faire quoi? Pour émonder. Émonder, c'est-à-dire couper, kokata, déconnecter, kokabola. Oh, yaba, sata. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. Amen. C'est-à-dire, ici, c'est de l'église qu'il s'agit. Nous sommes dans l'église. Nous sommes attachés à Jésus. Nous sommes connectés au bon arbre. Mais il y a un problème. On ne carbure pas selon la vitesse ni selon le potentiel qui est dans l'arbre. La sève qui est dans l'arbre est bonne. Mais il y a un problème au niveau des sèves. Et le père doit venir avec son épée. Quand il vient avec son épée, c'est pour étrancher. C'est pour séparer. C'est là où Dieu dit, Abraham, destiné avec toi. Alléluia. Amen. Genèse 12, il dit, j'ai une destinée avec toi. Abinazana lobi moko kitoke longona yo. Pour que ma destinée s'accomplisse. Pour te lobi nangai ko kisama. Je dois faire quoi? Et bongi na sanine. Tu dois quitter. Et bongi sikao Abraham olongwa. Dieu bénisse celui qui a dit amen là. Amen. Il dit, tu dois, sortir. Tu dois te détacher. Tu dois te déconnecter de la maison, de ton père, de ta patrie, de ton peuple. Et là, je te ferai un homme grand. Combien savent? Chaque famille a ce qu'on appelle un arbre comment? Merci, révérend. Quelqu'un dit arbre généalogique. Est-ce qu'on est en train d'évoluer? Amen. Ce soir, je n'ai perdu personne. Nous tous, on est là. Amen. Donc, l'apôtre était vite hier. Non, je ne suis pas vite, je suis calme. Amen. Dans chaque famille, il y a un arbre généalogique. Lorsque tu vas généalogique, tu vas générationnel. Et lorsque tu vas génération, tu vas une ration de gènes. Amen. C'est la génétique. C'est-à-dire ce qui est dans maman. On trouve une partie de ce qui est dans maman.
dans celui qui est sorti de la maman. La ration des gènes qui est dans le père, dans la mère et aussi dans le fils. C'est ce qui fait qu'on dit, oh mais toi tu es le portrait craché de ton papa. Toi, toi tu es le portrait craché de ta maman. Ce qui veut dire, ce n'est pas possible que tu ressembles seulement à ta maman de manière physique. Et que tu ne puisses pas lui ressembler. Avance, mon général. Aussi de manière. Tu veux savoir comment tu finiras ta vie. Tu veux savoir comment évoluera ton mariage. Ah, mais tu n'as pas cherché loin. Regarde le mariage de maman et de papa. Tu commenceras à avoir une petite idée. De là où tu es en train de cheminer petit à petit. Et si tu ne fais pas quelque chose, la pire des choses c'est quoi? La génération qui vient après, elle est censée être le double de la génération qui a précédé. L'esprit qui a conquis et qui a triomphé sur les champions de ta famille, s'il s'attaque à toi de la nouvelle génération, ils viennent avec une double rage. Moi, je ressemble beaucoup à ma maman. Hein. Quand tu regardes, je suis vraiment comme maman. Est-ce que tu ne veux pas regarder ce quoi c'est que l'autre maman a eu? T'as à peine qu'elle t'a eu. Il y a une crise qui s'est installée. Et tout d'un coup, elle a piqué une crise, elle a pris ses clics et c'est qu'elle est partie de la maison. Et puis c'était de temps en temps, elle part. On la ramène. Elle part. On la ramène. Elle pète un câble encore, elle part. Ou des fois, c'est moi qui dis, sors de chez moi. Ma soeur, quand tu as une telle historique de ta famille, allume les phares. Jusqu'à 100 mètres, même 1000 mètres. Et dis ça là. Je commence déjà à faire quoi? Na bandi ko tengama. À corriger. Na bandi ko bongisa. Ça, je ne veux pas. Oyo na lingi yango te. Ça, je refuse. Oyo na boy. Yahweh. J'ai un problème ici. Nazan likambo. Amène le couteau. Mema mbeli. Coupe, déconnecte moi de ça. Polanga na makambo. J'aime ma maman. Na zola mama na ngai. De tout mon cœur. Eh na motema na ngai. Mais ce que j'ai vu en elle. Si on a monika tu na ye. Ce n'est pas censé être à moi. Bongi ezala ka tu na ye. Yahweh. Yahweh. Où est le couteau? Mbeli eza wapi? Amène le couteau. Mema mbeli. Job a dit même lorsqu'il me blessera, il amènera le couteau. Je ne fuirai pas. J'attendrai qu'il amène le couteau et qu'il me blesse et qu'il me découpe et qu'il me sépare. Alléluia. Amen. L'arbre généalogique. Romains chapitre 11 verset 16 nous dit ceci. Ne te vante pas. Il dit l'arbre. Ne se vante pas. Au détriment. Des racines. Car ce n'est pas l'arbre qui porte les racines. Mais c'est les racines qui font quoi? Qui portent l'arbre. Ok, pendant que je suis en train de parler, tu n'as pas commencé à voir la lueur. Parce que je vois, personne n'est en train de prendre de l'enveloppe ici. Non, vous êtes. On est encore scotché. Amen. C'est pas grave. Si même on le ferait en une fois, ce n'est pas grave. Amen. Alléluia. L'arbre généalogique. C'est-à-dire, il y a la première génération. Le père fondateur. Les mères fondatrices. Qui constituent les racines. Amen. Et c'est eux qui ont pu
puiser une sève quelconque selon la source auquel ils se sont connectés. Je sais pas si tu regardes en arrière. Ok, je vais te demander. C'est quoi le nom de ton papa? Piero Catalay, n'est-ce pas? Le nom de ton grand-père. Kalu Katibamba. Ok, le nom du père de ton grand-père. Est-ce que tu as vu ça? Moniango. Est-ce que tu as vu ça? Moniango. C'est comme lire un livre. Ezako kotanga buku. Qui manque de pages. Oyo ezangi ba page mususu katina yango. Déjà dans son livre. Il y a l'introduction. Préface, ça y est là. Même la table des matières. Début là, ça y est là. Les remerciements, tout ça y est là. Chapitre 1er, ça y est là. Chapitre 2, ça y est là. Développement. Développement. Il constate que tiens, qui a déchiré certaines pages. Parce que les générations, c'est comme j'ai dit, la ration des jeunes. Une génération, c'est 400 ans. N'est-ce pas? Amen. Ça dit c'est 100. Maintenant, si tu regardes, il connaît son père. Il connaît son grand-père. Peut-être même pas trop bien. Mais le père de son grand-père. Kasi papa ya koko na ye. Blackout. Ayebi ete. C'est bon, azalande. Ah, comment il était? Alléluia. Amen. C'était comment? Ezakinde. Et puis lui il est né à Kinshasa. Ya botami ana. Il a grandi à Kinshasa. A kol na Kinshasa. Peut-être que son papa. Tamso tata na ye. Est né en dehors de Kinshasa. A botami libanda ngumba Kinshasa. Et le père de son papa. Papa est aussi en dehors. Abotama pe libana li solo ana qui est connecté à lui. Oye kangami na ye. Il l'ignore. Ayebi angote. Lorsqu'il ignore cette histoire, il aura du mal à maîtriser certaines phases et cycles de sa vie. A cause na makokite ya kokamba bile ko mususu. Et aussi longtemps qu'il sera ignorant, ntango kozanga koyeba, il ne saura pas qu'est-ce qu'il faut attaquer ni qu'est-ce qu'il faut appelé à l'existence. Parce que dans chaque famille, il n'y a pas seulement le mal. Mais dans chaque famille, il y a aussi le bien. Il y a des familles, quand tu les regardes, par l'historique, on te dit que ton père, le père de ton père, avait atteint 97 ans. Ce matin, on a 97 ans. Et son papa, lui. L'autre là, d'ailleurs, à l'époque, on ne connaissait pas les dates de naissance. Lui, là, il devait avoir même dans les 100 quelques. Et toi, tu regardes et tu vois qu'il y a 25 ans, palpitations. Tu commences à avoir les problèmes de cœur, palpitations. Tu vois qu'il y a 25 ans. Si tu as l'information, tu vas appeler les dieux de Jérémie, chapitre 1, verset 10. Tu vas lui dire, tu vas dire, avant que je ne sois formé, tu vas être dans les prophètes. Afin de renverser, d'arracher, d'abattre. Et aussi afin de quoi? De planter. Ça veut dire, on n'est pas là seulement pour combattre, déraciner, mais on est là aussi pour planter, invoquer, appeler à l'existence. C'est que les révérends à vie dans papa d'Isache, que lui a aimé. Ça là, je vais l'appeler. Je n'attendrai pas que ça vienne sur moi. Comme à l'âge de papa, 60 ans, 70 ans. Je le veux maintenant. Et quand il commence à prier pour ses enfants, Réma et les autres, il commencera à les placer. Il va dire, chérie, chez vous c'est comment? Qu'est-ce qui est bien chez vous? Elle va dire, il y a ça. Allez, invoque ça sur Réma. Avance. C'est là où mon frère et ma soeur. Tu es en train de comprendre le mystère des générations. La Bible dit que Dieu est le Dieu de toutes les familles de la terre. C'est l'ennemi qui est entré dans nos familles et qui a planté, qui a semé une mauvaise semence.
yamabe. Il a mené les gens à de l'idolâtrie. Il dit, vous, là, c'est le binzam, binzam. Ah, binokwa, rogumba, mais la binzam. Et voilà la racine. Là où elle allait puiser. Là où elle allait puiser. Elle puisait les alliances. Les alliances des esprits. Les esprits des eaux. Les esprits des cimetières. Et tu as grandi dans ça. Et tu mangeais les nourritures qu'elles ont consacrées à ces esprits-là. Sans le savoir, tu étais un enfant. Tu dormais. Mais maintenant que tu as grandi, quand tu commences à faire l'historique de ta famille, Colande la lisolo libota na yo. Maman, quand j'étais petit, je voyais, il y avait un papa qui venait avec lui. Obi maman, tu sais moi amuke na mon tata morozo kata biso banzolo ko boye. Il venait avec la poudre et bien la poudre zo pa ko la biso na pokwa. Il attendait quand c'est la pleine lune, surtout nous les papas. Les ceux qui sansaient bimi, mingi les jumeaux, les jumeaux. Et les jumelles. Qu'est-ce qu'on faisait? C'était quoi là l'histoire là où on chantait? Ah non, ça c'est juste le passé. Interroge ceux des générations. D'abord, il commence à dire ceci. Il dit ton ancienne prospérité semblera peu de choses. En anglais, on dit though your beginning was small. Your letter hand shall greet you. Yes. Même si ton commencement était petit, les jours d'avenir qui viennent, tu vas grandir. Tu comprends ça? Amen. Mais il dit, pour que tu atteignes ce stade-là de grandir, commence à interroger les générations du passé. Car toi, tu ne connais rien. Tu es d'hier. Et tes jours sur la terre sont comme l'ombre. L'ombre, c'est les reflets de l'original par la lumière. Ça, c'est pas moi. Moi, je suis là. Alléluia. Et même quand tu me vois, le vrai moi, tu ne l'as pas encore vu. Non, mon a été. Alléluia. Alléluia. Dit tant. Alléluia. Ça, c'est l'enveloppe. Oh, Ezali, kaka enveloppe. Ce qui veut dire, la première génération, les racines. Deuxième génération, c'est les troncs. Ezali et tapé en zété. Troisième génération, Yami Satu. Non, les troncs. Le tronc, nous étions en gomme aussi. Et puis la troisième étape, c'est les branches. Merci. Et la quatrième génération, c'est quoi? Le fruit. Maintenant, tu sais, le fruit, c'est le produit de ce que. Tu vois ça? L'acidité qui est dans le fruit est déterminé par la qualité du sol, la qualité des eaux, la qualité de toutes ces choses-là. Et puis le fruit est là. On le savoure. Ou on dit... Non. Ça, c'est quel type de citron, ça? Ah, citron, nos pères ont mangé des raisins. Ah, batata, la biso balia bambouma. Vert. Ah, et nos dents ont été... Il y a une génération. Tu vois, ta famille n'a pas commencé avec toi. Elle a commencé bien avant. Tu vois derrière mon bien-aimé ici. Jonathan. Quand tu le vois, mon frère Jonathan ici. Apparemment, il est seul, n'est-ce pas? Mais derrière lui, il y a deux parents. Amen. Derrière les deux parents, il y a combien? Les autres parents. Derrière les deux autres parents là, il y a encore quatre. C'est que tel qui se tient ici pour faire quatre générations, il a au moins combien? C'est pas 32? 16? C'est ça, hein? 16, 8, 4 et 2. Merci. Alléluia. C'est-à-dire, au minimum, il a 16 personnalités. Azana babo moto tuku.
qui sont en train d'attendre chacun sa saison pour se manifester. Si l'ancien, c'est 32, si l'ancien, l'arrière-arrière-grand-père avait une colère du genre pour qu'il se calme. Comme quand j'étais à l'intérieur à l'époque, là, au Bas-Congo, à Kisantu, il y avait des gens qui allaient prendre les fétiches. Quand ils se fâchent, la fumée commence à sortir de sa tête. Pour qu'il se calme, il faut qu'il aille donner un coup de tête à un arbre. Et quand il donne un coup de tête, l'arbre est sèche, comme ça. S'il ne trouve pas l'arbre, on doit lui donner tout un bidon d'huile de palme de sang qu'il doit boire. Qui boit ça, c'est pas lui, c'est l'esprit. Mais si tu avais un grand-père comme ça qui était un chasseur aguerri, qui ne craignait pas les lions, et il avait la colère d'un homme qui était prêt à tuer un lion, et tu te rends compte que tu étais une fille très doucereuse, la tire calme et gentille, mais tout d'un coup tu commences à développer une attitude que tu ne comprends pas. Tu t'es le matin, tu cries déjà. Les enfants, ils battent. Pour te calmer, il faut casser d'abord la télévision. Et quand tu as cassé, tu reviens à toi-même. Pourquoi j'ai cassé le placement? C'est une génétique, une ration de gènes qui est en train de nager au-dedans de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce soir? Non, les gens à qui je parle ne sont pas là. Amen. Ces choses n'existent pas dans ce territoire. Amen. Ça n'existe pas ici. Amen. Toi, tu es né au ciel, tu vis au ciel. Amen. Déjà après l'équipe, tu vas prendre l'hélico, tu vas aller au ciel. Amen. Il n'y a pas de problème dans votre famille, non? Chez vous, il y a l'ange, l'archange Michael, l'archange Gabriel, les séraphins. Chez vous, quand vous rentrez, c'est les chansons des séraphins. Alléluia. Ça, c'est nous. Tu sais, papa, dans ma famille, il n'y a jamais eu de pasteur. Même pas un protocole. Amen. C'est-à-dire, ma responsabilité, c'est de commencer une nouvelle race. Mais c'est à quel prix? Si je t'ai dit le type de combat auquel je suis en train, j'ai été livré, je continue à être livré, j'ai dit mon frère. C'est parce que ces esprits ne veulent pas voir une nouvelle race, une nouvelle espèce. Je suis comme un précurseur. C'est pourquoi demain, amenez-moi les premiers-nés et les cadets. Les premiers et les... Et je sais ce que nous allons faire demain. Amen, église. Amen. Si tu ne jeûnes pas demain, sois vraiment un jeûne. Prends ça au sérieux. Prends ça en comment? Mon frère. Ndeko. Ils ont mangé Aliaki. De raisins verts Ambuma. Et nos dents ont été agacées. Beaucoup ici commencent par moi-même. Révérend, je n'ai aucun souvenir d'avoir été amené à l'église par mon père et ma mère pour qu'on me dédie. Comme nous voyons les bien-aimés aujourd'hui, premier enfant, au bout d'un certain temps, ils prennent l'enfant. Tout le monde église, tout le monde a papa, dit sache. Ils disent papa, c'est notre premier enfant. Dédicace. Et le révérend prend l'enfant. Papa, tu sais ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de rentrer dans l'ADN spirituel de l'enfant. Il est en train de faire quoi? La reconfiguration. Il dit, Seigneur, tu vas comprendre. Il dit, Seigneur, toute interférence, tout court-circuit spirituel qui s'est infiltré dans la génétique de cet enfant, tradition des hommes, coutume. Oh. La brosette à libre. Alléluia. Tu sais, Oyebi, quand je dédie les enfants à l'église, c'est chaud. C'est chaud. Parce que je n'ai pas eu la grâce d'être dédié. Mais les jours où la lumière est entrée dans ma vie, je me dédie.
Moi là, je me dédie chaque jour. Je suis sacrificateur. Alléluia. Amen. Et je m'amène moi-même. Comme on dit, il y a un encopena. De force vraiment. Je comprends ça. Et les parents que nous sommes devenus aujourd'hui, nos enfants, quand nous prions, j'utilise des termes forts. Yes, Seigneur, je dis Seigneur, en tant que père de l'enfant tel, 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 moi, je suis venu les sacrifier, pas les consacrer, les sacrifier. Yes, tu prends des mots poids lourds. Il dit, ma fille, comme ça, je suis venu la sacrifier à celui qui s'appelle Elohim. L'éternel Dieu, le créateur des cieux et de la terre. C'est à lui que je suis venu sacrifier. Pas où j'ai amené pour la... Non, sacrifice. Père, tel que tu es là, papa. Demain. Lobby. Si ton enfant est en dehors de Kinshasa. Ce qui moi n'en ai à Zoami Libanda et Ngumba Kinshasa. Amène même sa photo. Même ta photo na ye. Ou même son jean qu'il avait laissé quand il avait 5 ans. Même ta pantalon ta elamba na ye o atika kintanga zaki na mbula mita. Ça devient un point de contact. Et comme litono ya bokutani. Toi en tant que maman, en tant que papa. Lolo quoi maman to tata. Tu vas faire les mystères sur ça. Aussi vrai que cet enfant est resté dans ton ventre. Tu as la parole. Tu as les derniers mots sur cet enfant. C'est toi qui peux modifier la trajectoire de ton enfant. Au camp de tes enfants ne sera une flèche brisée. Et toi-même, tu ne seras plus une flèche brisée. Après Apad, aucun de nous ne ratera sa cible. As-tu déjà vu que les chasseurs ne sortent jamais les flèches comme ça? Ils sont mona, chasseur abimisaka tolo tolo boete. As-tu déjà vu ça? Ils sont mona. Ils se séparent comme ça. Abimisaka tolo tolo boete. Ekoiko joki saye. Abimisaka ngo boye. D'abord, ils sont dans un carquois. Caché derrière lui. C'est lui qui décide. Quand il tire la flèche, le carquois est déjà empoisonné. En tirant la flèche, le poisson entre dans la flèche. Et puis, c'est lui qui décide la cible. Et comme c'est le Père de toute chair et de tout esprit qui va nous tirer demain, aucun de nous ne ratera sa cible. Je dis, aucun de nous ne ratera sa cible. Je ne raterai pas ma cible. Je ne raterai pas ma cible. Asseyez-nous. Vanda. Pour que je continue. Parce que si on devient debout là, je risque de commencer aussi à allumer le feu. Et l'essentiel de ce que je suis en train de poursuivre, parce que je suis encore au parvis Asano. De ce que je suis en train de vouloir te dire. La montre de Kinshasa, elle a une heure. Je sais pas si il y a. Ils ont qu'un des mbangu. Ah, vraiment. Quand nous le bien de cours. Alors bien, amen. Avec ce que Papa Mardoché a dit. Alléluia. Tu sais? Oyebi. Assieds-toi, mon bien-aimé. Vandandeko. Est-ce que tu as compris? Ososoli. Tu es marié? Tu es fiancé? Okelani. Tu es fiancé, hein? Maintenant, il faut commencer à faire ce qu'on appelle le spiritual mapping, la cartographie spirituelle. Mandiko tala makamba mo libre. Tu vois ça? Un jour quand je viendrai, je vais t'enseigner. Sur le moment où tu es en train de faire ça, Arrebosita. Tu as certaines choses. Tu sais,
Tu es tellement dangereux. Les problèmes, c'est peut-être parce qu'on ne t'a pas exposé à certaines choses. Tu es déjà arrivé quelque part. Parce que j'ai confiance à cet homme. Mais tu sais, alléluia. Soit la lumière que le révérend Vicky a allumée dans ton esprit. Tu ne l'as pas encore capté. Tu ne l'as pas encore capté. Le jour où tu vas la capter, il y aura une colère. Yes, il y aura une colère. Et tu diras, ma vie maintenant c'est une vie de quoi, d'ultimatum. Tu vas commencer à te fixer des objectifs à court terme et à moyen terme. Le long terme, tu vas d'abord mettre ça de côté. Ça sera dans un mois. Je vais arriver là. Dans trois mois. Pas de question de dans 10 ans. Tu deviendras pragmatique. Parce que tu comprendras que tu as gaspillé le temps. L'homme que tu vois là, j'ai demandé à Dieu de me donner la force de tous les jeunes de mon église. Tous ceux qui sont en train de dilapider leur force, leur jeunesse. Dieu, donne-moi leur force. Parce que je suis en train de vouloir rentrer au jour de ma jeunesse. Ils disent, mais il est jeune, non? Oui, je suis jeune. Ah, papa, ça est jeune. Ma fille elle va se marier cette année. Amen. Mon dernier enfant a 18 ans. Moi, je suis en train de faire. Wow. Merci, papa. En général. Mais je suis encore jeune. Amen. Ma fille Machik, elle est ma fille. Mais en même temps, on s'est retrouvés. Donc, tu vois, les enfants ici nous cherchent des problèmes des fois. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Demande à Dieu de restaurer ta jeunesse. Vis ta vie comme si tu es en retard. Arrête ces histoires, dit que non, mais non, tu es en retard par rapport à quoi? Oui, il y a certains retards par rapport aux choses que tu es censé faire. As-tu déjà imaginé Moïse à 80 ans, il est en train d'escalader la montagne de Sinaï? À 80 ans. Pourquoi Dieu n'a... Est-ce que Dieu ne peut avoir pitié d'un papa de 80 ans? Parce que les gars ont remarqué que j'ai dilapidé 40 ans en Égypte. Et il dit non. Habité. Malgré les courbatures, malgré la longue robe qu'il avait, Moïse a commencé à escalader la montagne de Sinaï. Papa, je suis allé à la montagne de Transfiguration, hein. Là où Pierre et Jean étaient partis, là où on a dit Pierre et Jean dormaient. Hein. Quand je suis arrivé là, j'ai cessé de condamner Pierre et Jean. Pourquoi ils dormaient? Parce que, à l'état actuel, 21e siècle, pour que j'arrive au sommet de cette montagne, il n'y a qu'une seule voie, il n'y a pas deux voies. L'homme a nivelé le long du mur de la montagne. Ils ont asphalté, ils ont mis des bordures aussi, mais tellement que l'espace n'est pas grand, il faut seulement un seul véhicule. Donc quand un véhicule monte, c'est pas n'importe quel véhicule, le Mercedes, le minibus de Mercedes TD, je ne sais plus combien là, très bonne qualité. Et les chauffeurs qui conduisent, ils roulent à plus de 80 à l'heure. Donc c'est une vitesse. Et ça vous prend minimum 20 minutes. Et ça vous prend 20 minutes. À 80 à l'heure, vous êtes assis. Quand tu regardes là-bas en bas, les ravins, tu dis, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu. Tu t'accroches ici. Oh mon Dieu.
Et nous on a monté avec un véhicule Mercedes à 80 à l'heure. 20-25 minutes. Tu as 20 à 25 minutes. Kasi petelo, ba mata makolo. Pierre. Petelo na yo. C'était un papa. Azaki papa. Il n'avait pas de cheval pour escalader là-bas. Azaki na bambunda te pona kombata likolo ngomba. Et quand il arrive là-bas, c'est Ntanga komi kuna. Donc quand il s'assied, Ntanga vandi kaka. Le Seigneur, je me repose un peu seulement. Abina pe maka mokenzambe. Le temps qu'il réalise. Ntanga sosoli mbalamoko pongi e kamatie. Élie et Moïse sont déjà là. Il dit, bon, maintenant, c'est quoi? Oh, nini, siroto, ne me condamne pas. Comment est ma bête? Maintenant, Moïse montait la montagne de Sinaï à 80 ans. Parce qu'il cherchait les dieux de sa destinée. Yes! Et à 100 ans, les messieurs montaient toujours. 119 ans, l'homme est monté. Même à 120 ans. Quand il monte là-bas, il va mourir là-bas. Il a dit à vos ordres, papa. J'ai dit au révérend Vicky, j'ai dit, tu sais, Moïse était devenu Dieu. Aucun homme ne peut tuer un Dieu. Seul un Dieu peut tuer un Dieu. Pour que Moïse meure, il faut que Dieu dise. Yes, tu ne mourras plus selon la bouche de l'homme. Tu ne mourras plus selon les paroles et l'âge de son. Tu vivras jusqu'à ce que Dieu lui-même dira viens. Parce qu'aujourd'hui il y a la correction. Rebecca, assieds-toi. Vanda, Rebecca, la femme de Isaac. Moi, c'est Isaac. Au jour de son mariage, tout le monde a célébré. Namokolo ali bala ne batunyo se basepela. Oh, sœur Rebecca. Oh, ndeko Rebecca. Elle est entrée dans une très bonne famille. Ah, continue libota moko malam. La famille du patriarche. Libota yankondo. Abraham. Abraham. Écoute la prière qu'on a fait sur elle. Yoka losambo basale la kie. Que tu deviennes la mère des myriades et des myriades. Oh, comme maman ya bituluku ya batu. Tu as entendu cette prière? Yoki. Les jours où on l'a libérée. Moko lobe za ikotika. Qu'elle parte au mariage. Mpota ko tanda ko libale. On lui a demandé, veux-tu suivre cet homme? Abi okoyinga oui, il y en a ndimi. Quand la femme dit oui, il faut la laisser. Omoni soki mo sala biga iyo. Botika ye, batika kya kin. Papa. La Bible dit ceci. Mokande le Bible. Son mari Isaac. Obale Isaac l'a épousé. Abala kiye. À 40 ans. Nambula tukumine. Isaac avait 40 ans quand il a épousé Rebecca. Ntango Isaac a nambula tukumine avec Rebecca. Rebecca. Amen. Rebecca s'est dit je suis dans une très bonne famille. Rebecca le vete nazan libota mo kitoko. La première année. Kula liboso. L'enfant ne vient pas. Mona zoyate. Ok, c'est comment ça? Bon, ça va. La deuxième année, elle fait ce qu'elle sait faire. Elle regarde, tu sais, c'est une frustration quand tu sais que tu as la matrice et tu as les trompes, mais l'enfant ne vient pas. Oh. Peut-être la troisième année. La Bible dit, elle va voir son mari. Donne-moi des enfants. Bana. Ou bien, c'est autre chose. Toto kabona kaka. La Bible dit. Kandelobi. Et Isaac. Isaac. Implora. Appelez-la. L'Éternel. Yahweh. À cause. Natine. De Rebecca. Ya Rebecca. Sa femme. Moi qui était. Oya zalaki ekomba. Papa, ça fait comment? 40 ans. Mbula tukumine. Lorsque Esaü et Jacob sont venus, tango Esaü na Jacob ba yak. Isaac était âgé de 60 ans. Mokane lobete Isaac akokisaki mbula tukumotoba. 20 ans d'attente. Mbula tukumi bale ya kozela. C'est-à-dire, elingi koloba. Rebecca dit papa Isaac. Rebecca lobete papa Isaac. J'ai commencé à faire le spiritual mapping, j'ai commencé à regarder ta famille. Na baniko tala pena libota. C'est une très belle famille. Ezali bota malamu. Vous avez la renommée. Bo zali pena libota des alliances. Avec les dieux véritables. Bo sami la kanza. Lorsque j'ai checké. Kasi nta na toi tu es venu. Yo uti. Après 25 ans. Na sima ya mbona. Ton papa t'a eu à 100 ans. Papa na yo a ta maman avait plus de
75 ans. Est-ce que moi, Rebecca, je saurais attendre? Je n'ai pas la foi de ta maman. Commençons à prier. Mon général. Même quand on est dans une bonne famille. Même quand ton père s'appelle Abraham. Moi, j'ai besoin des enfants. Et quand je regarde, je suis en train de voir la répétition de ce qui s'est passé dans ta vie. Tu dois prier. Moi, Rebecca, j'ai aussi des enfants. Isaac fait quelque chose. Et c'est alors que Isaac s'est réveillé. Il a dit, attends, c'est vrai. 25 ans. Non, il faut comprendre. Ils étaient connectés à un bon arbre. Mais lorsqu'ils ont regardé les vignerons, ils ont dit, papa vigneron, l'arbre est bon. Mais les fruits sont en train de traîner. Les fruits sont petits. Donnez-nous. Papa a dit, j'amène le couteau. Papa a dit, papa. Oh non. C'est la famille des ministres. Oh, ça libote ma ministre. C'est la famille de l'homme comme ça. Et ça libote ya mutumo ko kenda sango. Ils se sont les mikilistes. Et baza pena bana poto. Les parisiens. Et ba parisiens. Ils vivent en France. Ba be baza la pena na France na Belgique. Toi tu regardes la France. Yo ta la rende poto. As-tu des bandés? La cartographie spirituelle de cette famille. Pour que tu dises, j'aime tellement ma femme. C'est en âme et conscience que je vais l'épouser. Selon mes muscles spirituels. Nous allons combattre ensemble. Notre amour va triompher sur les liens de sa famille. Et je m'engage. Et déjà dans les fiançailles, vous commencez déjà des retraites. Des prières. Des veillées. Tu dis, papa, nous demandons l'autorisation. On va passer dans l'église. La fiancée au coin là-bas. Toi au coin ici. Vous mettez la Bible là-bas ouverte. Chérie, je trace la ligne de démarcation. Tant qu'on ne nous a pas encore béni, ne viens pas ici. Prie là-bas, je prie ici. Et vous priez. Tu l'appelles. C'est quoi le problème chez vous? Tu donnes ta liste. On te donne sa liste. Tu commences à attaquer les hommes forts de son côté. Tu attaques. Et tu dis, prions pour notre premier enfant. Elle s'appellera Rema. Prions pour elle. Garçon ou fille, Rema. Rema. L'enfant n'est pas encore venu. Toi, tu le fais regarder les joues de la femme. Tu as vu comment ma fiancée est. Je t'ai dit, c'est un canon, je t'ai dit. Tu as vu mon mec, comment il est beau. C'est tout ce que tu regardes. Le vrai lui, là. Il a des problèmes. Papa, as-tu déjà vu? Lorsque Adam s'est réveillé, Adam n'a jamais dit, celle-ci est la chair de ma chair. Il a dit, celle-ci est quoi? Adam a vu ce que les yeux ne voient pas. La vision d'Adam, c'était une vision de rayon X. Rayon gamma. Il a percé la femme. Il a vu le sang. Il a dit non, celle-ci. Tu vois, tel que je suis là, c'est la structure de mes os. Qui me donne la forme que j'ai. Si j'ai un problème au bassin, je serai aussi comme ça. Les ossements, c'est ça qui donne la forme. Tout ce que tu es là, c'est l'intérieur qui doit grandir. Tu es là. Sois très là, mon frère. Amen. Sois très là. Zala pendandeko. Amen. Amen. Ne te déconnecte pas. Sois très là. Kabonate zala penda. Alléluia. Avance, apôtre. Mon frère. La Bible dit ceci. Mokande le Bible. Oh mon Dieu. Dans le livre des Actes,
Écoute ça. Yoka. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Oh my God. Acte des apôtres. Chapitre 3, le verset 1 nous dit ceci. Il y avait un homme. Amen. Acte 3, verset 1. C'est une histoire que tu connais, non? On dit Pierre et Jean montaient et cousaient. Au temple, c'était à l'heure de quoi? De la prière. Tu connais l'histoire, n'est-ce pas? Et puis il y avait un monsieur là. On dit il y avait un homme boiteux. 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 Ça, c'est français. Boiteux de naissance. Et quand tu lis boiteux de naissance, tu ne captes pas. Mais la version anglaise et aussi la version d'Arby nous parle et dit cet homme était boiteux depuis le ventre de sa mère. Cet homme était boiteux depuis le ventre de sa mère. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Si je ne finis pas ce soir, demain on va finir. Écoute-moi très bien. Jérémie était un homme important dans sa génération et dans notre génération à cause des choses qui se sont passées dans sa vie quand il était dans le sein de sa maman. Retiens d'abord ça. Quelqu'un dit Jérémie. Jérémie était un homme important. Était un homme important pour sa génération. Pour sa génération. Et pour la mienne. Et pour la mienne. À cause. À cause. Des choses. Des choses. Qu'il a vécu. Qu'il a vécu. Pendant qu'il était. Pendant qu'il était. Dans le sein. Dans le sein. De sa maman. De sa mère. Il dit avant que tu ne sois formé. Alors, avant. Avant. Dans le sein de ta mère. Nali bumwa maman. Il avait dit je t'avais quoi? Connu. Na yebakio. Et puis il a fait quoi? Je t'avais établi. Alors binga esi na vandi sa kito na ponakio. En français on dit établi, en anglais on dit je t'avais consacré. Et si na bonzakio. Donc Jérémie est encore dans les ventres de sa maman. Lorsque Elohim est venu. Il est entré dans les ventres de sa maman. Avec une huile sacrée. Donc, de l'olivier céleste, pas de l'olivier terrestre. Il a commencé la cérémonie d'ordination de Jérémie. Les anges étaient là. Ils assistaient. Saint-Esprit était là. Il verse. Il met la main. Il déclare. Avant. Maintenant, quand il y a eu les avant, un temps arriva où il dit maintenant, voici. Botala Sikawa. Aujourd'hui. Lelo. Je t'ai établi. Ngai na ponio. Avant. Yambo. Je t'avais connu. Aujourd'hui. Lelo. Je t'ai établi. Awa Sikawa nazo bonza yo. Il y a eu un avant. Ezangi likamboro esalema ki liboso. Aujourd'hui. Mpeli kamore esalema ici. Qui amène l'établissement. Et memi ko bonza. Et ce qui s'était passé. Yama kamo esalema ki. La deuxième des choses. Et le Kamibale, retiens ceci. Kangaboy. La vie que tu mèneras sur la terre. Les années de ta vie sur la terre. Sont déterminées ou dépendent des 9 premiers mois que tu as passé dans les seins de ta maman. Je t'ai dit hier que la terre a été tirée des hommes. Et même toi là. Atayo. Tes premiers 9 mois, tu étais en train de nager dans un liquide qu'on appelle liquide amniotique. Bah sans un oliboso libo, obandari kolegi sango nakatia maimoko, okatanzo ta maman. La troisième des choses. Et le quoi misat? Si quelque chose arrive à la maman. Ce que l'homme aurait commis lui maman. La vie de l'enfant est aussi en. Bon moya moine et zapena simalikama. Hier maman Nenette m'a faisait un peu une leçon sur la médecine par rapport à l'attention de la femme enceinte. Mm-hmm. Et j'ai souri, j'ai dit, waouh, ça c'est la science. Oui, la science. Vraiment la science. Elle m'a vraiment brossé le tableau, elle m'a expliqué comment ça affecte le fait, avec tous les termes techniques. Heureusement que je suis quand même intelligent. Amen. Je l'ai capté, sinon si c'était quelqu'un d'autre, elle a dit, ok maman, c'est bon, c'est bon. Non, moi de l'eau, je parle, je vais dormir. Mais j'ai tout capté. Mais là, tu sais quoi? Si la maman, comme elle m'a dit hier, a un problème de tension,
Ça affecte aussi les bébés, n'est-ce pas? Il y a risque que soit et l'enfant et la maman tous deux. Ce qui veut dire que l'enfant est dans la maman. La vie de l'enfant est déterminée. Alléluia. J'arrive. Est-ce que tu réalises que qui est enceinte ici? Qui est enceinte ici? Vous voyez maman là? Elle est enceinte. N'est-ce pas? Assieds-toi. Vanda. Ce qui veut dire. Inkoloba. Est-ce que vous imaginez Kanisi? Que tout ce qui se fait dans le sanctuaire de gloire. Nyosozo salemokati à sanctuaire de gloire. Les langues que nous parlons ici. Minokasikatozolo. L'adoration qu'on a faite. Konguma melatochi kosala. La louange. Kosanzola. Les acclamations. Kobeta mabo. Les cris. Koganga. Même les cultes. Ah, la prédication. Mateya. Cet enfant là. Mwana wana. Est partie intégrante de ce qui se fait. Yes. Azomi pe okata makambo ezo salema na o ishika. L'esprit molimo qui est en train de communier avec toi qui est là. Ezana kata ko sangana yo mutozawa. Et aussi en train d'entrer là dedans. Ezana kata ko kota na timo. Quand tu dis amen, tu dis touche moi. Tu es aussi entré là-bas, il touche aussi l'enfant. Pe a kota kuna na kata simbi mwana. Cet enfant là, il faut que tu l'aies. Amen. Il faut que tu l'aies. Amen. Okopota e na kombo na Yesu. Na wachi la wanda ushala mute. La Bible déclare, lorsque Jean était, on devait parler de son avenir. L'ange a dit, il marchera dans la présence du Seigneur parce qu'il sera rempli du Saint-Esprit de le Saint. Maintenant regarde. Elisabeth tombe enceinte. Elisabeth a kumbizen. Jean est dedans. Yohana zala katalibu. Jean le Baptiste est dedans. Yohana mobatisa zala katalibu. Marie attrape la grossesse 6 mois après. Marie a juste mis sans amo toba na shima. Au 3e mois de sa grossesse. Na shima sans amo sa to zemina ye. Tu vois? Elle a attrapé la grossesse. A juste mis. À peine qu'elle a attrapé, elle est allée passer 3 mois. Ntango a juste mis chez Elisabeth. Sans amo sa le jour où elle est arrivée. Mokolo a komi. Elisabeth l'a salué. Elisabeth a passé un bote. Quand elle a salué, dit grand. Mon enfant. Abina yoki mwana nangai. Aya. Tu sais quoi? Il portait deux enfants dans leur sein. Mais l'un des enfants, c'était pas un enfant. C'était un ancien. C'était un ancien. Il est sorti de la demande sa main, il a sorti la main. Il a dit, reçois le Saint-Esprit. Il a baptisé l'enfant. Papa. Jésus, trois yes. mois. Selon la biologie, trois mois. Mais dans l'état de trois mois, là, selon les hommes. Il est en train de dire, reçois l'argent qui est dans le ventre. Il est baptisé. Oh, mais Jean a dit, moi je vous baptise de l'eau, mais celui qui vient après moi, il est celui qui fait quoi? Qui baptise d'esprit et de limon. Quelqu'un a dit, fire! Fire! De fire! Apôtre! Ce que je veux dire, l'ancien, Mpaka! L'éternité s'est invitée dans le temps pour affecter la destinée de celui qui vient de ça. Elisabeth commence à Elisabeth commence à prophétiser. Mais qu'est-ce qui me vaut cet honneur de recevoir la mère du Seigneur chez moi? Une petite fille de 17 ans, 16 ans, fait paniquer une femme qui a reçu son enfant dans sa vieillesse. Le problème, ce n'est pas ton âge. Marie peut être petite, mince comme ça, innocente. Mais ce qu'elle porte, c'est ancien. Ce qui veut dire, de là où tu étais, les choses changent. En bien comme en mal.
Beaucoup tels que nous sommes assis ici. Tu étais dans les vents de ta maman. Quand tu es dans les vents de ta maman, tu es vulnérable. Tu es vulnérable. Ça dit, tu es fragile. On t'amène là où tu ne veux pas. Là où tu ne sais pas. On te fait manger ce que tu ne sais pas. Tu n'as pas de goût. Tu n'as pas de choix. On te fait boire ce que tu n'as pas envie. Imagine-toi ta maman. Kanisa maman na yo. C'est pourquoi moi, quand je ne fais pas des blagues, révérend, quand je dis ces choses, je dis ça pour soutenir et encourager les gens. L'homme que tu vois là, déjà les gens disent, je ne t'ai pas attendu. Je ne t'ai pas désiré. Oh, parce que si je parle de toi, il est en train de parler mal de nous. Il est venu quoi? Se moquer de nous. Non, je parle de moi. L'homme que tu vois là, ma mère m'a eu, elle avait 15 ans et demi. C'était une jeune fille. Tu comprends? Tu comprends ça? Hein? 15 ans et demi. Qu'est-ce qu'elle connaît de la vie? Bon, je suppose que mon père va avoir peut-être 17-18 ans. Un petit garçon aussi. Un petit bandit de son quartier. Il ne connaît pas les choses. Et puis moi aussi, je suis venu. Même quand il n'avait pas de plan pour moi. Regarde ce que tu avais comme plan. Amen. Ce qui fait, quand j'ai connu ces choses, les types de prières que j'ai fait, j'ai fait des prières graves, dangereuses. Quand j'ai prié pour mon auto-délivrance, papa, tu ne voudrais pas rester là-bas. Parce que je ne fais pas de blagues. J'amène des paroles. Je dis des choses à Dieu. Parce que là, Dieu m'a fait grâce. Ma mère était devenue à la fin de sa vie ma brebis. J'étais devenu son pasteur. Et c'est elle qui me racontait maintenant les anecdotes de notre petite vie. Comment quand je suis né, elle n'avait que 16 ans. Elle voulait aller au disco. Elle avait envie d'aller au disco. Avec ses mini-jupes et ses goodies. Mais elle va faire comment avec moi? Elle me met sur le dos. Elle veut traverser le mini-jupes là collé. On tombe dans la tranchée. Les gens la giflent. Tu sais quelle femme? Et on riait comme ça. Mais c'est l'esprit qui voulait qu'elle me dise ces choses. Et quand elle me dit, maman, tu sais ce que tu m'as dit là, c'est bon, j'ai écrit. Et quand j'ai commencé à prier, j'étais en train de faire le débossellage de ma vie. Amen. Amen. Parce qu'elle ne savait pas. Elle ne m'a jamais amené à l'église. On n'a jamais prié pour moi. Tu vois ça? Amen. Je ne sais pas à quel type de musique elle m'a exposé. Mais tu vois la maman qui dit, yo vraiment, aux amours, balle à bassi. Le bébé n'a que deux mois. Le mari des... Moi, n'a que toko boy, balle à bassi. Tu seras vraiment le mari de beaucoup de femmes. L'enfant atteint 7 ans déjà. Moi, les paroles que tu disais là. Là. Tous les quartiers, toutes les petites filles du quartier sont après lui. Des amis en cascade qui viennent, qui portent. Elle n'a que 7 ans, 8 ans, parce qu'il est beau. Toi, tu disais, ce sera mon balle à bassi. Il ne faut jamais dire ça. Koloba bongote. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maintenant, imagine. Kanisa. Oh, pourquoi tu me regardes comme ça? Ça, c'est le passé. Isama Kamboleka. Regarde-moi comme je suis là. Talanga lo lenga na zaboye. Si je te dis le nombre de gens que j'ai bénis. Ce qui n'a évité mon temps ou batunga na zo pambola. Un jour, j'étais dans une assemblée que des blancs. Assemblée à Mindele. J'ai parlé. C'est là que j'ai compris que l'homme noir n'aime pas le mystère. L'homme blanc, il aime le mystère. Hey, c'est que je t'enseigne là. Amen. Un jour, j'ai enseigné un type d'enseignement comme ça aux hommes blancs. Ils ont dit, est-ce qu'on peut aller manger au restaurant? J'ai dit, pas de problème. Je me suis changé, j'ai pris ma douche, on est sorti. On arrive au restaurant, les gens ouvrent les coffres de leur voiture, ils descendent avec des grosses bibles au restaurant. J'ai dit, on est venu au culte. Pendant qu'on attendait la commande,
C'était des questions et des réponses. Ils veulent savoir. D'autres ont commencé à me dessiner leur généalogie. Ils ont commencé à m'expliquer comment la franc-maçonnerie est entrée dans leur maison. J'ai dit, ok. Au lieu de manger, on a commencé à faire la délivrance dans les restaurants. Pas les délivrances. Tu es tenté de parler aux gens et les gens se lèvent. On est obligé de faire des prières. Vous comprenez? Amen. Ce qui veut dire, tout ça Dieu voyait. Satan a vu que non. Il faut abîmer. Mais le plus important, c'est que je suis là. Ne joue pas avec ta destinée. Tu comprends? Amen. Demain quand on viendra, Dieu va corriger. Interroge ceux des générations. Tuna batobi keke leka mituna. Les mamans viennent. Maman yaka. Non. Tu veux maman vient d'abord maman. Maman yaka vient. Maman tu sais quand l'enfant grandit, des fois la maman devient comme la grand-mère. Obi soki mwana koli mama kuma kalwa moninga. Maman vient d'abord. Maman yaka nan tobe tali solo. Maman, toi. Maman vandana. Moi je voulais un peu savoir. Maman ngena yebana. Moi c'était comment? Ngai zakinde na bota mande. Mutuna liboso. Deuxième question. Yami balé. Pose des questions. Tuna ka mituna. Il y a des choses que maman connaît que tu ne connais pas. Ezala bi omso maman ebi oyebite. Puis l'information. Okay. Ok. Moi, il y a des choses que ma mère m'a dites. On s'est marrés. Ma mère et moi, on était potes. Hein? On était amis. On était amis. Quand elle me parlait, on s'est marrés, on rigolait. C'est moi qui étais au volant. Et on allait partout. Mais j'écrivais. Et quand j'ai prié, il y a des choses que je disais, ça je veux. Ça, je ne veux pas. Ça, je refuse. Ça, je renverse. Ça, j'appelle. Et aujourd'hui, je vois ces choses. Vous comprenez? Cet homme, on dit, son problème avait commencé dès les ventres. Déjà, on ne connaît pas son nom. Des deux, on retrace les lieux d'où son problème a commencé. Ce qui veut dire, si tu peux tracer la source de ton problème, tu peux corriger ce problème. Amen. Amen. Élisée a dit, amenez-moi où c'est, à la source, les eaux. Et toi aussi, tu as une source dans les eaux. Ce qu'on appelle le liquide amniotique. Tu nageais là-bas. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas ce qui se disait là-bas. Tu ne sais pas où est-ce que maman est entrée. Et la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre Satan est capable d'utiliser ta propre maman, pas parce qu'elle ne t'aime pas, mais elle ne sait pas. Il l'amène dans des voies là, des chemins là qu'elle-même ne comprend pas, mais ces chemins là, c'est pour détruire ta destinée. Mais elle, elle t'aime. Satan a papa, elle a la grossesse, elle veut ta voix. Elle prie même. Mais comme elle ne comprend pas, elle est en fait en train de court-circuiter ta destinée sans que tu ne le saches. Tu es déjà parti, hein? C'est ok, hier. Yeah. Tu n'es plus là. Oh, tu es sûr que tu es là. Amen. Est-ce que chez vous aussi c'est comme ça? Et pendant bien au pays, ça bon, iyo papa. N'aie pas honte. Koyoka sonité les livres de ta propre vie. Il y a kofongo la beaucoup, il y a bon mon iyo moko. Regarde, Psaume 51, David dit ceci. David a le Bible, nous avons un thème. Ça c'est le jour où David a commencé à confesser son péché. Il dit contre toi j'ai péché. Ça c'est quand David a fait quoi? Il a commis ce péché là. Et maintenant il a commencé à prier. Maintenant il dit Seigneur, c'est contre toi que j'ai péché. Et puis il dit une phrase. Ma mère a fait quoi? M'a conçu dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu. Psaume 51, n'est-ce pas? Maintenant quand tu regardes le psaume 139,
David parle de avant la conception. David a zobé tali soro yambote asale manaka tali buma mama na ye. Oh, attends. Je reprends. Dans le psaume 51, David est en train de parler de quoi? De sa conception. Conception, c'est-à-dire ce qui est devenu matériel. Fœtus. Amen. Une semaine, deux jours, trois jours. Conception. C'est vilain. Elle a conçu. Mais est-ce que tu sais que la création a précédé la conception? Amen. Amen. Maintenant, quand dans le psaume 51, David est en train de dire: tu m'as créé merveilleusement. Ah oui, d'alors ben t'es okelinga pena que là mon malam toki toko. Toi, quand tu m'as créé, mon projet que je, moi, le projet que je suis, j'étais dans tes mains. Quand tu l'as commencé, c'est un projet. Oh yaba santa. Quelqu'un n'est pas encore là? Amen. Quelqu'un n'est pas encore là? Non, amen. Si tu l'as dit, amen. Amen. Il dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Maman nanga adoit zemi nanga okati amasum. Mets-moi le psaume 139 là, parce qu'il faut peut-être que l'on lise. C'est important que l'on lise, parce que peut-être que quelqu'un n'est pas encore là. Psaume 139, verset 12. Psaume 139, verset 12. Regarde ce que David dit. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Qu'est-ce qui se passe? La nuit brille comme... Même là où les gens ne voient pas, toi tu vois. Et les ténèbres sont comme... C'est toi qui as fait quoi? Mes reins. Et qui a... Qui m'a tissé dans les seins de ma mère. 14. Je te loue de ce que je suis. Une créature. Si... Tes œuvres sont et mon âme le 15. Mon corps n'était point lorsque j'ai été quoi? J'ai été quoi? Pas créé, mais Adam a été formé de la poussière. C'est la formation qui fait qu'il est connecté à la poussière. Mais la création, elle est connectée à l'esprit. Il était esprit avant de se manifester dans la formation. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu. Tu sais où? 16. Quand? Qu'est-ce qui se passait? Et ensuite? Était quoi? Qu'est-ce qui était inscrit? C'est-à-dire, David a compris que même si dans ma conception j'ai été cabossé, j'ai été accidenté, collision frontale, boum, accident, train avec catch. Train et finani pena et toutani na catch. Boum. Malformation. Ma salinga pena ma be. Depuis là-bas. Où toli mou ma maman. Et j'apparais cabossé. Nabimi pena moto zanga lo lenge. Je dois comprendre. Et bongina sosola. Que tous les jours qui m'étaient destinés. Et mi kolonyo so zaki yanga. Et t'es déjà inscrit dans le livre de Dieu. Et si et comment mon apôtre va pour moi. À ce stade-là. Na eshika wana. Ta vie doit rentrer. David et bongia zonga. Et ouvrir le livre original de sa vie. Afongo la pena buku ya solo ya bomo ina. Et de dire Yahweh. Koloba ete Yahweh. Corrige ma vie. Bongi sabomo ina ngai. Selon ce que tu avais écrit. Landi sama makamo yo moko koma. Ne tenant pas compte de ce qui s'est passé. Kota la te makamo e salemi. Parce que le rein de ton papa et le ventre de ta maman, ce sont des lieux de transit. Eza esiko koleke la. Tu n'es pas entré là-bas comme tu es sorti. Tu étais entré merveilleusement bien. Parce que tu viens de l'éternité. Mais de là, pendant que tu étais en transit, il y a eu des court-circuitages. Il y a eu des piratages. On a commencé à pirater ton programme.
Oh. Ok. Qu'on arrête, non? Qu'on arrête? On se tient debout. On se tient debout. On se tient debout, c'est important. Demain, c'est encore un jour. Le Béza Soumoukolo. Aujourd'hui, j'ai voulu loger la balle. Et demain, on va prier. C'est pourquoi j'ai même grignoté dans le temps de la prière. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Il y a une enveloppe pour toi. Et il y a une enveloppe que tu devras prendre pour tes enfants. En l'occurrence, le premier-né. Alléluia. Amen. Moi, je suis le premier-né de ma famille. Je suis celui qui a ouvert la matrice de ma mère. Tu vois l'homme qui te parle ici. Ce n'est pas un prédicateur. L'homme qui te parle ici n'est pas un prédicateur. Tout ce que je te dis, ça m'engage. Je suis pas venu ici pour te dire un caribou comme ça vient manger. Je n'ai pas encore goûté la sauce et puis je ne mange pas la nourriture. Non. Je suis le seul à quand je te sers à table. Et toi et moi nous mangeons. Alléluia. Amen. Chaque fois que j'ai l'opportunité de faire ce type de prière, je ne fais pas de blagues. Je ne fais pas de blagues. Écoute-moi. Yoka. Tu vas faire deux offrandes. Une offrande de 10. C'est-à-dire 100. 10. 10. Multiple de 10, de 100 plutôt. Amen. Multiple de 100. Et une offrande de 7. Multiple de 7. Okosala libonza liboso ya motango ya zomi pe libonza mibale ya motango ya sambo. De 100 et multiple de 7. Si tu veux mélanger, tu mets 170. Soko sangisa otie 170. Amen. Amen. Amen la destinée d'abord ta propre destinée. Mais manan lobi na omoko. Et la destinée ou les destinées de tes enfants. Mpe lobi ya bana na yo. Et demain amène-moi le premier-né. Lobi mwana na liboso et le cadet. Mpe mwana ntuka. Et amène-toi aussi toi-même comme premier-né ou cadette. Et faisons confiance à Yahweh Elohim, à Yahweh Elohim de rebobiner l'histoire de nos vies. Amen. 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 Combien croient? Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en ce que Dieu vient de nous dire ce soir? Amen. C'est comme l'impression comme si la joie de quelqu'un est retombée, c'est quoi? L'excitation est retombée, c'est quoi? Est-ce que la joie est tombée? Pourquoi je lis comme si... C'est quoi? Hein? Alléluia. Amen. Je ne regrette pas de t'avoir parlé ce soir. Parce que je sais, il y a des gens, il faut les introduire dans leur destinée des fois par force. Parce que des fois tu émets à une fréquence où la personne qui t'écoute n'est pas à cette fréquence. Mais si toi tu as capté la fréquence, fais-lui aussi écouter ce qui se joue sur cette fréquence. Et après il te dira, mais au fait c'était quelle chaîne qui jouait là quand on était là, on entendait, c'était la chanson de Dieu, c'était une belle sélection. Il te dira, c'est telle chaîne, c'est quelle fréquence, au 90.ceci, 80. Et ça va rester. Ce soir Dieu a émis sur une certaine fréquence. Amen. Et il a parlé à l'esprit de quelqu'un. En parlant à l'esprit de quelqu'un, il veut que l'esprit de quelqu'un réagisse. Si je suis toi cette nuit déjà, même le matin, très tôt le matin, tiens-toi devant Dieu. Avec tes sacrifices. Alléluia. Amen. Déjà à la maison. Ndaku.
Commence à te présenter avec ça. Alléluia. Commence à prier déjà pour à la maison. Quand je parle de sacrifice, je suis délibéré. Je sais de quoi je parle. Tu sais, chaque fois que tu sais, quand quelqu'un va chez un féticheur et dépose une offrande, en fait, cette offrande, c'est une façon de dire, c'est ma représentation. L'offrande te représente toujours. C'est, l'offrande, c'est la personne qui l'offre, en fait. Quand on dit amène le poule, plutôt la poule blanche, un drap blanc. En fait, on te dit, ces choses-là te représentent. Alors, quand tu amènes ton sacrifice demain, commence à dédier ta vie. Commence à parler sur tes enfants. Il faut avoir le courage de dire à ton enfant quand tu pries pour lui, tu seras meilleur que moi. Yes, okozala kitoko koleka ngai. Tu finiras mieux que moi. Okosuka malamu koleka ngai. Tu seras trois fois meilleur que moi. Yes, okozala mbala misatu kitoko koleka ngai. Moi ta maman, moi ton papa, là où je ne suis pas arrivé. Ngai mama to papa na eshika na tikala kokoma te. Je ne suis jamais entré. Eshika na tikala kokota te. Toi tu y entreras. Yo kokota. Tu entends entendre. N'aie pas honte, n'aie peur de lui dire ça. Et tu lui dis, tu ne marcheras pas dans mes erreurs. Yes, okotambola na sima bambe bana ngai te. Maman, aie la sincérité, papa, la sincérité de dire ça à ton enfant. Zala na bosolo pena papa, maman ya koyebisa mwana na makambo ya bongo. C'est là où moi j'ai fait 20 ans pour voir la lumière. Là où j'ai eu à patauger dans des bêtises, dans des erreurs, dans des brillants. J'écris, je chiffonne, je jette, j'écris, je chiffonne, je jette. Je me retrouve qu'il y a 40 ans, 50 ans. Ma vie est toujours en train de tourner en rond là. Toi, ça ne sera pas le cas. Et si quand il n'a pas na buzoba na makamwasoni, et si quand na kangama, et si quand moko na salabambu la tukumine na mone lokote, yo okoume la te yebete kokende liboso. De mon vivant, tu m'essuieras les larmes par ton succès. Yes, ntango na zala na bomo yondo kopanguisanga maya misu ntango kozala moto monene. Faut quand tu as vieilli. Ntango komi mpaka. Tu vois tes enfants qui te tournent, qui t'entourent. Omoni bana no bazanzinga nzinga na yo. Tu es même fier. Tu fais même des caprices. Ozo ça coûte ma caprice. Et au jour où on t'a enterré, et mukolo bakokunda yo, dans ta longue et heureuse vieillesse, na bon pa kana mon laimpe, même tes petits enfants viennent sur ta tombe pour te bénir. Ata bakoko na bakoya likolo kunda na pona ko pambola yo. Koko pambwama. Ah, grand-père soit béni. Ce que tu as fait pour nous là, nous bénissons là où. Tu sais, il y a des gens qui maudissent leurs propres parents. Au cimetière. Tu seras fier dans ta vieillesse. Ce que je te dis, beaucoup de gens ne te diront pas ça. Je te dis ça. Tu sais, quand tu commences à faire ces prières, tu vas voir ta vie. Va commencer à prendre un autre sens. L'accélération va commencer dans ta vie. Alléluia. Kurubuche. Zangu bakule. Bra, printo hoto.
Bindu tutupa jihua. Regarde. Tala. Ma fille là. Celle qui est enceinte là. Mets-toi debout. Alors moi si. De quoi moi si. Regarde. Atemalikolo. Si tu vas prier cette nuit. Osame la butu alelo. Tu vas dire à Dieu. Okoebi sanzambe. Celle ou celui qui est en moi. Dans l'état où il est, où elle est. Moi, sa maman. Maman, j'appelle tout ton nom. Commençant par les noms, comme on dit, les noms du ventre. Hein? Le nom de famille là. Et puis le prénom vient après. Tu dis moi par exemple. Yav. Yav. Patrick. Patrick. J'ai sacrifie cet enfant dans l'état où il est. Je te le consacre. Yes, cet enfant cesse d'être ma responsabilité. Il est désormais ta responsabilité. Comme tu l'as placé là-bas, occupe-toi toi-même. Yes, allez garder là-bas. Et au jour de sa manifestation, qu'il soit la confirmation de ce qui a déjà été décidé. Aussi. Et tu dis, celui-ci, je ne le perdrai jamais. Alléluia. Et tu fais un vœu à Dieu. Révérend, tu sais, les jours où la maman de Salomon priait pour Salomon, elle a dit, fils de mes vœux. Azaki kolobete mwana mobali ya bandai nangai. Fils de mes vœux. Ce qui veut dire la maman, l'enfant était là, elle faisait des vœux. Elingi kolobete mama azaki wana kasi azaki kosande bandai liboso na Nzambe. C'est pourquoi que Joab, qui c'est quoi son frère là? C'est qui son frère qui voulait Adonija? Yango tati na Adonija. Adonija s'élève, que les autres s'élèvent. Adonija tellement, tu me sois tellement. Parce qu'il y a des types de vœux que la maman désire. N'attends pas que l'enfant soit dans les temples pour commencer la dédicace. Cause la témoin ose azala na kati un temple le pona ko banda ko bonzaye na maboko ya Nzambe. Ma fille, tu vois? Money. À l'âge que tu as là, commence à prier pour tes enfants. Banako sambela pona bana na yo. Tu pries pour tes trompes. Ozo sambela pona bana. Ozo sambela pona nzoto na basi. Ozo sambela pona bana. Tu connais pas leur nom. Oyebi ba kombo na bango te tamusus. Prie pour eux. Sambela pona bango. Les choses que je suis en train de t'enseigner. Moi, si je les connaissais longtemps. Ce qui na yeba kango kala. Il y a des noms que je n'aurais même pas donné à mes enfants. Yes, ezana ba kombo mususu na linga kuna pesa bana na ngate. Alléluia. Les choses que je te dis là, toi qui n'as pas encore des enfants. Makambo na zoyebisa yo yo mutuna no botite. Même le jour de donner des noms. Atamu koloto kolinga to pesa bana to robota ba kombo. Tu n'es pas obligé de commencer à regarder. Bosiku nogo wana. Ozana ndingisa te ah na sepela kana voisin na ngawa na pesa e kombo te. Donne-lui le nom selon que Dieu va te parler. Alléluia. Oh non, c'était l'attente de l'attente de oh, ma. Tata moi si, tata moi si, abanoko ya tata moi si na biso. Et puis tu es fier, tu dis non, oh, na potio. Ah, je t'ai mis au monde. Non. T'es. Non. T'es. Non. Fais tout par la révélation. Salagnoso landisama bofongolisani. L'Éternel. Consulte l'Éternel. Kende yoka onzamba ko yebisa yo. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever pour acclamer pour Jésus une minute? Non. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? En une minute, acclame pour Jésus. Si tu as été édifié, tu as été illuminé, même toi qui me suis en ligne, acclamons pour Jésus une minute. Amen. En fait, je suis en train de lire l'ingratitude dans notre manière d'acclamer. Parce que tout ce qui nous a été révélé ce soir, c'est la délivrance d'une vie et d'une destinée. Et écoutez-moi,
Si ce n'est par l'esprit de l'Éternel, les hommes ne peuvent pas parler. Je veux qu'on acclame Jésus pour la parole de ce soir en une minute. Une manière de lui dire merci. Merci Seigneur pour cette bonne parole, cette nourriture solide, cette bonne part de ton cœur. Nos vies ne sont plus les mêmes. Il est renvoyé sa parole et sa parole le guérit. Merci pour l'illumination, le recadrage et la délivrance totale. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit après moi, amen. Amen. On peut rester debout parce qu'on est à la fin. Je l'ai dit ici au début d'appart. Vous savez, la délivrance aussi, c'est le renouvellement de l'intelligence. Amen. Et le renouvellement de l'intelligence, il passe par tous ces enseignements que nous recevons. C'est pourquoi c'est une académie. Tu vois, le fait que tu es en train de comprendre, hein, tes yeux s'ouvrent là. C'est déjà la délivrance. Amen. Donc, il y a des gens qui peuvent vomir. Il y en a qui peuvent courir. D'autres démons peuvent parler en eux. Mais il y en a aussi d'autres. Juste la compréhension là, c'est la délivrance. Et j'annonce à quelqu'un, la délivrance totale a déjà commencé. Cet amen est faux. La délivrance totale a déjà commencé. Amen. Ah, je comprends qu'elle est pour ton voisin qui a dit amen, pas pour toi. J'ai dit, elle a déjà commencé. Tu sais pourquoi? La Bible dit, il leur envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Au commencement était la parole. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu parce que tout ce que Dieu m'avait instruit, il y a même d'autres points que j'ai écrits dans ces bouts de papier. L'apôtre l'a fait. Nous sommes connectés au même esprit. Acclamons pour le Saint-Esprit. Extraordinaire. Alors écoute, demain, lobby. Il y a un grand service en cellule. Même toi qui me suis en ligne, il y a un service très spécial. Vous voyez comment Dieu nous a conduits. Même hier, quand j'ai rentré à la maison, le Seigneur m'a dit, quand ils apporteront les bouteilles d'huile, n'écris pas pour ça. Qu'ils les laissent sur l'autel. Et c'est les jeudis que tu prieras pour ça. Amen. Voilà aussi que pendant que l'apôtre parlait, Dieu a parlé par lui pour dire que demain, jeudi, il y aura un service spécial pour les fils aînés, les premiers-nés, et les cadets. Dis après moi, premier-né et cadet. Dis le premier-né et cadet. Alors toi qui as emporté ta bouteille d'huile, prends un stylo, fais juste un signe sur cette bouteille et puis viens la laisser sur cette bouteille. Vous connaissez les mystères. Et ceux qui prient dans cette église comprennent ces choses. Fais un signe sur cette bouteille. Peut-être c'est la lettre qui commence avec ton nom ou quoi. Tu vas placer ça à la première rangée. C'est comme la verge d'Aaron qui a passé nuit dans la tente d'assignation. La Bible dit le lendemain, elle a fleuri. Rapidement, prends cette bouteille. Un peu vite. Demain, tu vas la récupérer au moment de la prière. Que ta bouteille passe nuit dans la présence de Dieu. Je répète, que ta bouteille d'huile passe nuit dans la présence de Dieu. Et dans cette église, nous croyons ces choses. Des photos passent nuit ici, des CV. Voyez, tout ça, vous voyez, ce sont des documents que les gens apportent et ça passe nuit dans la présence de Dieu. Ça, c'est les drapeaux de la Belgique. Alléluia. Qui passe nuit ici. Cette chaise, c'est tout un mystère. Donc, il y a beaucoup de choses. Un peu rapidement. Fais même un signe sur cette bouteille avec ton nom. Chacun récupérera sa bouteille demain. Tu peux même ouvrir cette bouteille, tu prends un bout de papier, tu écris ton nom, et puis tu fermes, tu laisses un bout un peu en dehors. Amen. Personne ne prendra ton huile. C'est lui qui osera prendre, va se tuer lui-même. Ici, on ne s'amuse pas. Grâce à l'ange de cross qui te va ici. Vous direz à la sœur Malaïka que je ne l'ai pas vue au culte aujourd'hui. Elle est où? Elle est dehors. Pourquoi elle est dehors? Il faut toujours qu'elle soit dans les temples.
faut toujours qu'elle soit dans les temps. Car on avait la gaille sa prise. Prends de la canto de gros déguisité. Fait que renda inya apporto bien checké. Nous allons faire des choses demain. Donc au sala bonganga nanza. Amen. Rapidement, rapidement. S'il te plaît, invite les cadets de ta famille. Bengisa bato suka mabota na bino. Invite les nés dans ta famille. Bana yambo ya mabota. On peut rapidement prendre les actions de grâce et les offrandes. Et on se sépare. Je peux avoir deux paniers. Levez-vous. Avant qu'on parte, je vais vous rappeler. Je vais vous rappeler quelques sujets qui vont vous aider en prière, comme l'apôtre l'a dit. Dans la journée, ça va te préparer avant de venir. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, je prie pour toute personne qui apporte une action de grâce dans ses paniers. Amen. Que sa vie ne reste plus la même au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, alors qu'il est écrit qu'on ne vienne pas dans ta maison, m'invite, bénis toute offrande. Au nom de Jésus, amen. Amen. Vous qui nous avez suivis, demain 17h, soyez nombreux. Il y aura un grand programme de feu, de grâce et de puissance. Vous avez vos membres des familles ici à Kinshasa, ils sont aidés. Invitez-les sur de l'hôpital numéro 3, commune de la Gomba, sanctuaire de gloire. Alléluia. Nous sommes vers les derniers jours d'Apâtre. Ils viennent recevoir leur délivrance. Dieu va fortement se glorifier. Et shalom.